Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller partir ouvrir ce magnifique coffret Zacian. Je vais vous le mettre en plus grand, attendez. Coffret Zacian. Et ça, l'entraînement continue avec deux petites cartes. Donc on va se l'ouvrir ensemble. Attendez que je vous positionne. Voilà. Alors, dedans, normalement, je crois bien qu'il y a 4 boosters. 4 boosters. Attendez, je galère un peu. 4 boosters célébration. Et des boosters autres aussi. Donc, on va l'ouvrir. On va commencer par ça, en vrai. Pour se chauffer. Ça, c'est des jumbo. Normalement, il y en a 2, je crois. Alors, on a eu Marisson et Flambino. C'est pas les meilleurs, mais c'est quand même plutôt stylé. Je suis content. Et après, du coup, on va s'ouvrir ça avec le magnifique pin. C'est la magnifique promo. La promo, elle est vraiment incroyable. Je trouve personnellement. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous avez réussi à la trouver, vous. Moi, personnellement, j'ai galéré. Je vais payer un peu cher. Mais bon, que voulez-vous? J'avais envie d'ouvrir. Donc on est en train d'ouvrir là. On galère un peu. On est en train de tout arracher. Alors il y a ça. Déjà. Je savais pas qu'il y avait ça. C'est un truc avec une sorte entre guillemets de poster, même si c'est pas un poster. C'est une texture de poster. Donc il y a deux boosters de combat aussi. Je crois. Regardez ce magnifique pins. Et le focus. Pikachu surfeur. Pikachu surfeur. Pikachu volant. Il est incroyable. Donc après, il y a quoi? Il y a la carte. Il y a le code là, mais je le garde bien sûr. Vous le savez. Pour ceux qui regardent mes vidéos, vous le savez. Je vais pas prendre celle-là. D'ailleurs, j'ai toujours pas acheté de sleeve. J'ai que des perfects. Mais on va dire que ça suffira. Alors, on va la mettre et on va la voir. Franchement, je la trouve incroyable. Par contre, les bords, ils sont un peu mal, très mal coupés. Désolé pour la qualité. Mais c'est quand même incroyable et incroyable. Ouais, les bords, elles sont moins coupées. Mais bon, j'ai une promo, c'est pas grave. Elle est magnifique. Je vais la mettre là. Regardez, je vais faire ça. Et je vais mettre les cartons là. Je vais mettre là. Vous les voyez pas. Vous les verrez pas, de toute façon. Mais c'est pas grave. Donc, on a 4 boosters célébration. Et deux boosters style de combat. Un pangoléon et un tyrannosif. Donc on va commencer par style de combat. Ce qu'on voit dans style de combat, bien sûr, c'est tyrannosif alternatif. Ou les Chifours et Max alternatives. Mais bon, faut pas trop rêver. Je pense qu'on n'aura rien. Ou au max. Une V. Donc le code, je le garde. 1, 2, 3, 4. Et on va commencer tout de suite. Énergie, acier. Carbos, hypocéan, boostiflore, viscuse, charbi, eoko, onyx, la reverse et malamandre. Donc rien. Deuxième booster. On va s'ouvrir. J'aimerais avoir au moins un hit dans ça. Ce serait plutôt cool. Parce qu'en vrai, c'est une bonne série.
Les taux de drop, ils sont pas fous du tout. Mais c'est une série correcte. Niveau carte, je parle. Recuit est magnifique cette carte. Je crois qu'on a un truc. Mais je voudrais pas hyper et me hyper moi-même. C'est une blague? J'ai déjà. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, voltage éclatant. C'est incroyable, hein. C'est incroyable, je m'en plains pas. Mais je l'ai déjà. C'est quoi la probabilité? Ben, je vais la revendre, non? Ça va me faire bien, ça. Ça va être bien, ça. Ça rembourse quasiment, hein. Je crois qu'elle vaut 30 euros, peut-être. C'est comme ça. On va la repaquer, je m'attendais pas du tout. Elle est magnifique. Non, elle est incroyable, hein. Mais c'est juste que je m'y attendais pas parce que je l'ai déjà. C'est fou. J'avoue que je suis un peu choqué. Je suis un peu déçu, on va pas, je vais pas vous le cacher non plus. Mais c'est quand même cool. Alors, pour ceux qui savent pas, j'ai déjà eu le Dracaufeu en célébration. Hors vidéo, donc vous pourrez pas aller voir. Mais peut-être sur mon TikTok, la photo. Je l'ai eu dans une ETB. Mais j'aimerais bien avoir, moi. Ce que j'aimerais vraiment avoir, c'est. Reshiram. Voilà. Et le. Vous allez rire. Le Mew en rare. Parce que je l'ai toujours pas. C'est la dernière carte basique qui me manque. Donc 4 cartes. On regarde pas. Vous voyez, moi je vois pas. Cosmog. Isanias. Dilga. Pikachu. Ce Pikachu là, on l'a tous 600 fois pour ceux qui ouvrent. Ceux qui ont ouvert de célébration, ils savent qu'ils tombent vraiment beaucoup trop. C'est vraiment trop. On l'a tous en 6 fois, voire plus pour ceux qui ont ouvert beaucoup. C'est un peu dommage parce que la carte elle est quand même stylée. Du coup, elle perd toute sa valeur quoi. C'est une carte basique. Quand tu la drop, t'es même plus. T'es limite plus content. Alors. Lugia, Groudon, mais je l'ai déjà aussi et deux fois aussi. Non, c'est abusé par contre. C'est abusé. Là, ça devient abusé. C'est quoi ce coffret? C'est un coffret bien, mais c'est un coffret avec des cartes que j'ai déjà. En plus, cette carte, elle est nulle. C'était Dracaufeu, ok. Elle est stylée, hein, mais déjà, elle est nulle niveau cotation. Et en plus. Elle est pas incroyable. Moi, je la trouve pas incroyable. Je dis qu'elle est stylée parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment. Allez. Encore deux boosters. Après, c'est quand même bien hein, d'avoir un reprint. C'était pas obligé. Je crois pas que ce soit obligé. Je galère un peu. On va le voir comme ça. C'est plus simple. Comme ça. Et voilà. Alors, Cosmog, encore. Lui, il est tombé vraiment 6 milliards de fois. Oh! Électeur de roquette. Elle est incroyable, la carte. Magnifique. Oh, je suis trop content. J'aurais préféré avoir Reshiram. Mais je suis quand même ultra content parce que déjà. Je crois bien que c'est de Return. Du coup, elle n'existe pas en français. Elle est magnifique avec le. Vous le verrez pas bien là, quand même. Déjà parce que c'est de mauvaise qualité, mais en plus parce que c'est très léger. Mais il y a un côté avec des paillettes et l'autre côté, on voit la pluie un peu. Avec la foudre et tout. Magnifique la carte. Je suis content en rien. Pour l'instant, deux reprints. Deux reprints, dont une que j'avais et une que j'avais pas. Dernier booster, bon, c'est pas grave, elle est tombée l'autre. Attendez, juste on va faire ça. Ça et comme ça. Là, je vais avoir des cartes à vendre. Ah, déjà la Victini, je l'ai en double. Palkia, Ho-Oh et Xerneas Imu au moins. Encore Pikachu. Donc bon. J'ai toujours pas Mew. C'est complètement abusé. J'ai tout 600 fois sauf Mew. Donc bon, en vrai, je suis quand même très content. On va faire un petit récap.
Alors, on a commencé par avoir la Marisson et la Flambino en carte jumbo, qui sont stylées quand même. XY1 et SW SCH 002. Après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu. On va mettre dans l'ordre. L'ordre des préférences. Ouais, c'est pas vraiment préférence. On a eu. On a eu un Pikachu. Un autre. Un, et voilà la Team Rocket. Un Zacian niveau X. Un Elector. Et un Victini VMAX, qui est magnifique. Donc bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, ça m'a plu. Et aussi le Pins. Magnifique Pins. Tac. Plus c'est aimanté, du coup ça tient vraiment bien. En bas un peu moins. Mais en haut, ça tient extrêmement bien. Regardez, tac, tac, tac. Alors que là, ça tourne tout seul. Mais bon, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Dites-moi si vous voulez revoir des ouvertures Pokémon. Et voilà, hein. Je pense que c'est tout. Donc à plus!